c'est ici. Ah, pas vivre ici tout seul quand même. Si. Mais non, il y a Ben qui loge ici dans la chambre du dessous. Ben? Oui, Ben, c'est un locataire qui vit ici depuis. Ça fait 13 ans que vous n'avez pas mis les pieds dans cette maison. Et maintenant que votre grand-mère est décédée, il fallait bien que je revienne ici pour m'occuper des funérailles. Ah, c'est ici. On y va? Je me souviens bien, avant, cette maison, c'était plusieurs appartements reliés. Mais vu que grand-mère a tout racheté, maintenant, je pense qu'on va vivre dans cet appart. Mais techniquement, toute la maison nous appartient. Trop bien! Ouais, mais apparemment, il y a un Ben ou un Ben qui habite dans la chambre du dessous. Du coup, je suis pas sûr qu'on pourra faire ce qu'on veut. Donc, on pourra être tranquille. Donc, ce n'est pas Ben, c'est Ben. Ne vous inquiétez pas, je suis là juste pour vous aider à vivre tout seul. Ne vous dérangez pas. Donc moi c'est Ryan et elle Anna. Ta maman m'a déjà parlé de vous. D'ailleurs je vous ai ramené des ustensiles de cuisine qu'elle m'a donné pour que vous puissiez vous en servir. À propos, vous avez visité la maison entièrement? Donc on a eu le temps de visiter le premier étage, le deuxième étage, le toit, sauf le grenier parce qu'elle a peur. Non, j'ai pas peur, juste pas trouvé le grenier. En tout cas, vous avez visité la plus grosse partie de la maison. Et il vous reste le grenier à visiter, un de ces quatre, c'est la partie la plus intéressante de la maison. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. En fait, t'as peur. Non, j'ai pas peur. Si, t'as peur. Non, j'ai pas peur. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Je t'avais dit que je n'y avait pas de nous. C'est pas possible, je suis sûre qu'on va se souvenir. Excusez-moi, mais vous êtes qui? Allô, c'est moi Lisa, et lui c'est Zay, ils m'ont resté tout le temps ensemble quand on était tout petit. Tes amis d'enfance, ça te dit quelque chose? Ah oui, je prêt. Ça va? Ouais, super, on est en train de déballer les cabas avec Anna en haut. Venez, montez. Oui, ça marche, ok. Ça a pas changé ici. Alors, t-shirt, ça va? Oui, merci. Tu te souviens de ça? C'est une photo de toi quand t'étais chez moi. Ouais, non, pas du tout. Ah, ça fait plaisir de voir ces souvenirs. Sinon, j'ai entendu dire que vous cherchiez du travail pour cet été pour votre première partie. Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez, mais mes parents pensaient que le restaurant idem d'à côté, ils en manquent d'employés, je peux leur parler de vous. Ouais, ce serait super, merci. Ce serait grave bien, mais moi je suis pas sûr de pouvoir. J'ai un autre truc de prévu normalement. Mais je te recontacte par téléphone. Ah ouais, quoi? Je te dirai. Oh, mais c'est pas tout, mais moi je dois y aller. On se regarde vite. Oui, moi c'est donc que je parlerai de vous à mes parents tout à l'heure. Au revoir, bye, ciao. Ok, vas-y, ciao. D'accord, Lisa, merci beaucoup. Salut. Salut.
Ah bah tiens, raconte, t'as trouvé un truc? Oui, j'ai cherché sur internet et apparemment il y a un truc de photographe qui cherche quelqu'un. Mais t'es pas photographe, puis ça me va prendre un snap. Non, mais en fait il y a deux parties, il y a la partie studio et il y a la partie comptoir. Et moi je serais juste à la caisse en fait. Et je me fais payer 5000 dinars de l'heure. 5000 dinars de l'heure? Ne crois pas, ici 5000 dinars c'est genre 30-40 euros. Bon, bah vas-y, au pire tu ramènes l'argent, il a flemme. Vas-y, là, ça fait plus peur. Voyez, tu saoules là! C'est pas drôle, les cousins, ça me fait flipper! Oh non! Quoi? Putain, je crois que le courant a lâché. Oh non, déjà que le film d'or, ça fait flipper! Je crois que Bane m'a dit que le disjoncteur était au grenier. Vas-y, monte au grenier, s'il te plaît. C'est mort, j'irai pas, vas-y toi. Non, vas-y toi. Ah, tu vois, toi, si t'attends du grenier. N'importe quoi, tout à l'heure il était jour, là il est 2h du matin, on vient de regarder l'exorciste. Mais en plus, j'y aille pas, c'est mort, je plongerai pas d'ici. Donc, une pierre, papier, ciseaux, et celui qui perd, il monte au grenier. Non, c'est mort, j'irai pas. Mais de toute façon, j'irai pas non plus, c'est mort. Donc, on a qu'à faire ça pour se décider une bonne fois pour toutes pour qui y va. Allez. Bon, ok, vas-y. Jure que si tu perds, tu y vas. Oui. Jure-le. Oui, je te jure. Ok. Pierre, papier, ciseaux. T'as juré. Oui, tu saoules en vrai. Les secrets sont cachés dans la nuit. Les dieux anciens sont invoqués ici, afin que soit révélé l'art de la magie. En cette nuit et en cette heure, j'invoque le pouvoir supérieur. Transmettez vos pouvoirs à la fratrie qui sont deux. Nous voulons le pouvoir. Donnez-nous. T'as réussi? Non, pourquoi? Bah, je pensais que le courant était revenu parce que... Bah, la télé.
T'as pas ressenti un truc de bizarre? Non. Enfin bref, c'est quoi ça? Ça, c'est le livre des ombres. Hein? C'est un livre de magie que j'ai trouvé sur cette table. Un livre de magie? Oui, et j'ai lu la formule à la deuxième page qui aurait pour but de nous donner nos pouvoirs. Nous donner nos pouvoirs? Oui, mais ça ne m'a pas l'air de marcher. Ça me paraît normal. Enfin bref, demain on demandera à Bane si c'est quelque chose pour le disjoncteur. Ouais. Et moi je vais continuer à lire un peu du livre. Sinon quand t'as récité la formule, t'as rien ressenti de bizarre? Non, j'ai juste été un peu aveuglé par l'orage, mais c'est tout. Bon bah, c'est que ça. Lisa m'a appelé, faut que je sois au restaurant à 10h. Lisa, mais je croyais que c'était ses parents qui devaient te donner le job. Ouais, mais apparemment c'est la gérante, donc c'est à elle de choisir les employés. Ah ouais? Mais ça veut dire c'est sûr qu'on ait le job? Ouais, mais non, malheureusement. Pourquoi? C'est notre meilleure amie d'enfance, non? Ouais, mais même si elle est la gérante, c'est pas elle la grande chef, c'est ses parents, et il faut confiance pour prendre des gens de qualité. Bon, du coup, pour toi, je lui dis quoi? T'es intéressée ou pas? Bah, je sais pas en fait. J'ai mon entretien d'embauche pour le studio de photographe là. Donc dis-lui que je donnerai ma réponse demain. D'accord. Et dis-moi, tu sens rien depuis hier soir? Comment je devrais me sentir? Je sais pas comment expliquer, mais c'est bizarre et ce livre là. Tu vas pas me dire que tu crois à cette histoire de pouvoir? Non, mais c'est juste. Je suis sûr que tu stresses pour rien. C'est quoi, on demandera à Bane ce que c'est ce livre? Il habite là depuis longtemps, je pense qu'il doit savoir ce que c'est. Ouais. Bon, je vais y aller. Bisous. À toutes. Il est où? Ah. Faut que je te présente à Cilia, c'est un amour cette fille. Ah, Cilia. Oui. Donc, Cilia, Anna, ma meilleure amie d'enfance. Anna, Cilia, notre serveuse depuis 4 ans. Salut. Lisa, téléphone pour toi. Oui, j'arrive. Donc, je vous laisse faire connaissance. À tout à l'heure. Bane, j'y vais. Bane. Alors, écoute-moi bien. Non, toi, tu es cool.
Celia. Coucou. Coucou. Quoi, qu'est-ce que tu vas faire? C'est bien ce que je pensais. Je te pars, c'est très urgent. Rejoins-moi vite à la maison, je peux pas t'en parler au téléphone. Mais c'est une question de vie ou de mort. Ryan, s'il te plaît. Mais si ce serait pas important, je t'aurais pas appelé. Je sais que t'as un entretien. Ryan, s'il te plaît, c'est très urgent. Avec ce livre? Ouais. Tu sais qu'apparemment, plus des pouvoirs cités, la fratrie posséderait le pouvoir le plus puissant que le monde magique n'ait jamais connu. Il s'appelle le pouvoir de deux. Et ça retombe encore sur nous. Regarde, le logo c'est nous. Anna, je sais que ce que tu as cru voir, c'est pas tout. Regarde. J'avais pas tout lu hier. Tu sais ce qu'il y a dans ce livre? Plein de formules à propos de démons, mauvais sorciers, esprits. Et des moyens de les vaincre. De les vaincre? Oui, de les tuer quoi. Et apparemment ce serait notre destin de combattre ces choses. Anna, je sais que ce livre est étrangement bien détaillé et qu'il y a pas mal de coïncidences à propos de nous, mais... Mais quoi? Mais tu te rends compte que ce que tu dis est impossible? Impossible? Pourquoi ce serait impossible? Mais parce que la magie... Parce que tu n'en as jamais vu ou qu'on n'en parle jamais à la télé, ça veut dire que ça n'existe pas. Ok, je pense qu'il serait temps de te dire la vérité à propos du Père Noël. Mais je suis sérieuse! Regarde! Donner le pouvoir à la frère qui sont deux. Le pouvoir d'arrêter le temps et de faire bouger les choses par la pensée. Tu vas pas me dire que c'est des coïncidences. Et ça, ces créatures. Regarde. Oh. Oh quoi? Oh mon dieu. Tu vas me dire que ça aussi c'est une coïncidence. Ben est un mauvais sorcier niveau inférieur qui chasse les sorciers et sorcières afin d'en voler leur pouvoir. Attends, tu vas pas dire ça. Ça fait combien de temps que Ben vit ici? Je sais pas, très longtemps je crois. Et ça fait combien de temps que grand-mère est décédée? Attends, tu vas pas dire que Ben a tué grand-mère?
Mais oui, et la destin, c'est de la manger à un combattant. Regarde, il faut le pouvoir des deux. Tout est lié. Mais t'es malade, toi. T'as entendu? Oui, j'ai envie de parler de toi, bien sûr que j'ai entendu. T'es sûr que t'as entendu quelque chose? Mais oui! Non, moi je vois rien.